Hello， 大家好，我係 Walker，歡迎嚟到 Walker Loan。今日我喺我 friend 屋企，我係喺大學一年級嘅時候識佢嘅。咁其實咧，我中學嘅時候咧，我啲法國嘅朋友仔咧就已經有睇開日本動畫嘅，咁但就未至於話真係好有研究嗰只咯。咁去到大學嘅時候咧，一年級有一次級際旅行咧，有個男仔就喺個巴士度坐喺我隔離，跟住問我睇唔睇日本動畫，咁我話我睇啦，咁跟住佢就好似如數家珍咁開始同我分享佢中意嗰啲日本嘢啦，咁好好彩佢亦都係即係同我有好多其他嘢都係好相像，所以我哋就成為咗好好嘅朋友，直至到今日。Salut, Salut, Monk. Merci. T'as pris, c'est un plaisir. Dis-moi, comment t'as commencé à connaître l'animation japonaise en général, et peut-être Kotoka en particulier? Ah, comme tous les gamins à l'époque, Ouais. pour la télévision, c'est les séries qui passaient à la télévision. Après Goldorak, je l'ai vu après les autres. Quand j'allais à l'école, tout le monde parlait de Goldorak. Je ne savais pas vraiment ce que c'était, mais ça devait être vraiment cool. Et donc, je voulais être Goldorak. Ah, tu voulais être Goldorak. Rouler en Porsche et être Goldorak. Ah oui, d'accord. Tu voulais pas être le pilote, comment il s'appelait déjà? Actarus? Actarus, ouais. Non, je ne connaissais pas. Et c'est seulement après qu'on en ait beaucoup parlé à l'école, Ouais. Un mercredi, en rentrant, j'ai enfin pu le voir à la télé. Après, j'ai compris mon erreur, mais c'était pas grave. dis-moi, mais à l'époque, il y avait déjà des jouets de Goldorak dans le marché? Oui. Bah, disons que j'ai vu ça a posteriori dans les magazines. Mais oui, il y avait déjà des trucs comme ça, ouais. Parce que je pense que même maintenant, il n'y a pas beaucoup de magasins à jouer en France, en fait. Non, mais bon, c'était distribué alors soit dans des supermarchés, des grandes, des hypermarchés plutôt, ou alors des magasins spécialisés dans le jouet. Il y en avait quelques-uns, mais bon, c'était très très large, quoi. Est-ce celui qui était le plus répandu, c'était celui-là? Ouais, à l'époque, c'est Goldorak qui a vraiment. Bon, ils ont fait toute la ligne des Jumbo. Mais oui, c'était ce Goldorak, quoi. Mais bon, moi, en magasin, je n'ai jamais vu ce Goldorak. Parce que j'étais trop petit et puis on n'allait pas dans ce genre de magasin en général. Alors, moi, j'ai découvert ce robot-là pour la première fois. Je l'ai vu pour la première fois. C'était quand je suis allé avec mon grand-père chez un. Je sais pas, chez un ami à lui. Et dans la grange. Il y avait un Goldorak comme ça, je pense que c'était le jouet d'un petit-fils. Et j'ai tout de suite flashé dessus, même plusieurs années plus tard, quand j'avais mon permis de conduire, donc vingtaine passée, je suis retourné à cet endroit-là et je suis allé voir s'il n'y avait pas encore le Goldorak dans la grange. Tu as commencé aussi à chercher ce Kotorak-là en particulier. Je me rappelle, tu disais que tu ramènes au Japon pour le revendre et ça te rembourse le billet d'avion. Il était en assez bon état, c'était la version européenne. Et ouais, donc chez Mandarake, j'en ai eu un bon prix. Mais tu m'as dit que ça, c'est la version européenne, c'est ça? Ouais, c'est la version avec ce bras-là. Alors que la version japonaise a deux bras qui ressemblent à des bras. Et c'est pas au Japon, ça, c'est pas un autocollant, c'est une partie en plastique collée par-dessus. Ouais, ça coûte moins Et cher de faire des je crois ici aussi, coupes. il y a eu la version japonaise est plus classe, quoi. Forcément. Normal. Bah, dis-moi, à part Kodora, qu'est-ce que tu aimes chez Animation Japonaise? Bah, disons, à l'époque, il y a beaucoup de choses vraiment, enfin des classiques aujourd'hui qui passaient, quoi. Je crois que c'est Battle of the Planet. Gatchaman. Catchaman, oui, bien sûr. Ok, oui. Juliette, je t'aime. Oui. Dragon Ball, Oui. pas Z, Dragon Bien Ball. sûr. Beaucoup de choses. Ouais. Bon, les Chevaliers du Zodiaque un peu moins. Mais ça a beaucoup marché en France. Ça a beaucoup marché en Ouais. France, ouais. En Bon. Italie, en France, ça fait un phénomène. Ouais. Bon, tout ce qui est aussi Albator. XOR. XOR, ouais, en Ouais. live, ouais. XOR, Spectroman. Bioman. Bioman, c'était plus tard un Ouais, peu, ouais. et ça fait aussi créer un phénomène Ouais, mais impossible. le premier c'était Soundtrack, donc Ah oui, Message from Space. Ça, ça va un peu aux gens. Et puis c'est vraiment inspiré de Star Wars à l'époque, ouais. C'était marrant. Mais ça, j'étais presque trop petit pour vraiment. Je me rappelle des images. Ensuite, il y avait des trucs comme Bomber X. Oui, ça s'est passé en Ouais, France? ouais, ouais. Ah. Ça, c'était pas mal aussi.
Mais toi, il y a quelque chose de particulier, c'est que, à part les télévisions, enfin, à part les séries qui ont passé en France, toi, tu connais Gundam, alors que personne ne connaît Gundam en France. Comment tu as commencé à t'intéresser à Bah, Gundam? disons que ça, c'est plus tard. J'ai vu un peu tout ce que voyaient les autres gamins aussi à la télé. Et ensuite, je sais pas, il y avait une fascination pour l'animation japonaise. Et les premières sources étaient difficiles à trouver. Je me rappelle, c'était parfois dans les magazines de jeux vidéo. Parce que les cinématiques, je sais pas si ça s'appelait déjà comme ça à l'époque, mais les scènes entre les jeux, quoi, les écrans, étaient des images quasiment de dessins animés japonais. Ensuite, je suis tombé par hasard, j'allais souvent au comic shop à Bâle, et le type était passionné de manga. Donc il avait son magasin, et il avait commandé tous les volumes de Akira. En japonais. En japonais, ouais. C'était tout ce qui était disponible à l'époque, ouais. Et il avait commandé des Hobby Japan. Hobby Japan 1991, c'est le premier que j'ai eu. Ouais. Et ça, j'ai acheté, et puis là, c'était une mine d'or. Et là-dedans, il y avait des robots. Des Et il y avait Gundam. Gundam. Mais ensuite, toi, tu as acheté beaucoup. Moi, je me rappelle chez toi, quand tu habitais chez tes parents, tu avais plein de Master Grade. Et tu les as achetés comment? Il y avait différentes. Alors, la toute première fois, j'ai pris un Hobby Japan. J'arrivais pas à lire le japonais, mais il y avait des adresses qui étaient. Il devait y avoir une ou deux adresses de magasins que je pouvais lire. J'ai écrit à ces magasins en faisant une demande de commande. J'ai reçu en échange un petit listing d'articles qu'on pouvait m'envoyer Par courrier, par par la courrier, poste. par la poste. Ensuite, j'ai mis un billet de quelques dollars dans. Je sais plus, c'était 20 dollars US. J'ai dit, j'aimerais une figurine résine de Lamu et puis c'était quoi? Un Gundam F91, une maquette au Ah, c'était 144e. même pas Master Grade, c'était Non, les non, non, premiers. ouais. Et j'ai dit, j'aimerais ça. Et j'ai envoyé, et des semaines plus tard, j'ai reçu un colis, un petit colis. Où j'avais cette maquette, j'avais la résine, et pour faire le change, le magasin avait rajouté des petits, je crois que c'était des petits Gundam pour mettre sur les crayons. Pourquoi? Parce que Trop. ça faisait trop. L'argent que j'avais envoyé Ah, oui, couvrait d'accord. ça. Donc il a rempli avec tout ce qu'il a trouvé pour que j'en aie pour mon argent, quoi. Alors ensuite, le grand phénomène de l'animation japonaise en France, c'est Akira. Ouais. Tu as dit que tu as déjà vu les tomes en japonais. Oui, ça c'était le premier contact avec Akira. C'était ces tomes au Comic Shop. Alors je suis allé lui demander parce que c'était en vitrine. Mais en fait, c'était que de la décoration. Mais c'était super joli les Ah couvertures. ouais, ça attirait l'œil et tout. Et ensuite, j'ai vu ça dans une émission cinéma. Et il passait la bande-annonce de Akira, que j'ai Ah oui, enregistrée. il y a déjà la version cinéma. Oui, je l'ai enregistrée. C'était par hasard, en fait. Et je l'ai regardée encore et encore, cette bande-annonce. Je connaissais par cœur les dialogues de la bande-annonce, en En japonais. japonais. Ouais. C'était fabuleux, quoi. Tu avais tous les meilleurs extraits, c'était génial. Et donc ensuite. C'est par l'entremise d'un. J'étais à l'internat à Mulhouse, et un gars qui était de Célestat, lui, il avait accès à pas mal de magasins, genre à Strasbourg, je pense, des choses que moi je ne connaissais pas du tout. Et donc lui, il m'a dit, il a trouvé la bande originale de Akira. Donc je me la suis procurée aussi. Et ce qui fait que j'avais d'un côté la bande-annonce. Ensuite, la bande originale que j'écoutais alors que je ne connaissais même pas le film, mais je me faisais une image bien précise de ce dessin animé. Alors ensuite, il y a la version traduite en Ouais, couleur. tout d'un coup, ouais, sont apparus
les petits fascicules épais comme ça, ouais. Et c'était une parution qui me paraissait très irrégulière. À chaque fois, tu allais au bureau de tabac en espérant qu'il y ait un nouveau volume. Et ça, c'était super. En plus, en couleur, la version US, c'était inversé. Le dessin était fabuleux, quoi. Ouais. Et en fin de compte, pendant le festival de bande dessinée à Arlissac, les dessinés, il y a eu une projection. D'accord. C'était des années plus tard. J'ai enfin pu voir Akira. Mais par contre, une fois qu'il est sorti dans toutes les salles, c'était devenu carrément une sorte de synonyme de nouvel manga. Enfin, ouais. Pour les Français, voilà, c'est ce qui signifie manga. C'est un nouveau standard, ouais. Ouais. Ouais, c'est clair. Ouais. On a fait une parenthèse. Il y a toujours eu rumeur d'une version hollywoodienne avec des vrais acteurs. Takira, qu'est-ce que tu en penses? C'est casse-gueule. Hein. Ouais. je crois pas, j'espère qu'il n'y a pas. Quoi. Je trouve pas, enfin, je vois pas la nécessité de faire ça. Pour conclure, qu'est-ce qui t'intéresse le plus maintenant dans l'univers de l'animation, ou que ce soit Hollywood? Les jouets qui m'intéressent le plus, c'est probablement les Chogokin. Toujours? Ouais. ça change pas. Les Chogokin originaux. Ah, les anciens. Ouais. D'accord. Ouais, les nouveaux aussi, mais les anciens ont vraiment un charme fou, quoi. Donc finalement, que ce soit un otaku français ou un otaku de Hong Kong, le goût se rejoint un petit peu. Ouais. Bah, c'est ce qui a fait démarrer tout ça, quoi. On retourne aux origines à chaque fois. Bon, merci beaucoup encore. Je t'en prie. Ouais, bah, à la prochaine. À la prochaine. Salut. Salut, bon.